Salut à vous tous, donc là nous partons en vacances. Nous allons prendre la direction de la Normandie, direction Étretat, c'est parti. Nous avons 3 heures de trajet à faire. Là nous sommes sur l'autoroute A14. Ensuite nous allons emprunter l'autoroute A13, l'autoroute de la Normandie. Nous allons pas tarder à traverser les tunnels de Saint-Germain-en-Laye. Là, nous traversons un viaduc. Nous allons traverser un viaduc. Et regardez le ciel, magnifique. Hein. Le ciel est complètement bleu. Depuis quelques jours, nous sommes concernés par un vaste anticyclone. Par contre, il y a beaucoup de pollution. Et les papiers, les machins, ça m'arrive même des fois de voir des papiers qui volent. Mais en tous les cas, on observe une douceur particulièrement marquée, exceptionnelle pour une fin février. Ça y est, nous sommes dans les tunnels de Saint-Germain-en-Laye. Ces tunnels mesurent plus de 4 km de longueur. Bah bien sûr que la ville est dégueulasse. Vous savez que c'est une amende ça. Je crois que c'est 60. Alors, un petit commentaire ou pas? Pas pour le moment. D'accord. Et après, je dirai un mot. D'accord, ça marche. T'admires le paysage? Voilà. Plutôt le tunnel. Ouais, plutôt le tunnel. Parce que pour l'instant, on voit pas du tout le paysage. Et le tunnel, il est super long. Mais nous allons bientôt retrouver la lumière. Là, nous passons vraiment sous la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Elle est très très grande cette forêt. Alors, il faut savoir que l'A14, c'est l'autoroute des riches, parce qu'elle est très très chère. Et c'est pour ça que cette autoroute elle est tout le temps fluide. Alors là, nous sortons du premier tunnel. Il va y en avoir un second, un peu moins long. Alors en réalité, on part pas en Normandie là. En fait, là on va aller faire une sortie du côté de la Roche-Guyon. Donc en fait, on prend ce bus car la ligne J est totalement interrompue en raison des travaux. Et donc c'est notre moyen de substitution pour nous rendre à la gare de Mantes-la-Jolie pour ensuite prendre le 95-11 depuis cette gare justement. Et nous allons explorer les grottes troglodyte de la Roche-Guyon, de la réserve naturelle des côtes de Seine. Donc là, la durée du trajet est de 45 minutes entre la Défense et la gare de Mantes-la-Jolie. Et le soleil brille toujours généreusement à la sortie des tunnels. Et après, il y a des gens que je connais.
Ah, ça aurait été marrant qu'il fasse beau de l'autre côté, puis là, paf, de la pluie. Oh putain, le microclimat. Mais ce n'est pas le cas là. Ça aurait pu. Hein. Désolé pour le contre-jour. C'est vrai qu'à la sortie du tunnel, il y a le contre-jour nous éblouit. Là, nous allons bientôt retrouver l'autoroute A13 qui relie la porte de Saint-Cloud. Relie la porte de Saint-Cloud à la ville de Caen. Pour l'instant, le trafic est totalement fluide. On n'a pas à se plaindre. En plus, normalement, c'est le départ des vacances. Nous avons un Intersport, donc on va peut-être essayer d'aller faire les magasins. Les muraux me lèvent dans 10 km. Bon, bah ça roule plutôt bien. Donc là, il y a une première aire d'autoroute dans quelques kilomètres, donc on va essayer de s'y arrêter pour faire une petite pause. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes dans le car. Thank you.